Alors, chers amis, bonjour. Bonjour à tous les fidèles de la matinale. Baninga na pesimno bambote, lo sako, ba salam, bo yamba ba salam, nangaï, partout où vous êtes, les amis. Vous m'avez manqué pendant tout ce long week-end. Et vous avez bien compris, hier, nous n'étions pas là parce que lundi, c'était un lundi de Pâques férié. Donc, considérez qu'à Kaloko la dimanche. Donc, nous aussi, nous autres pays, il faut y payer maka. Donc, recevez mes salutations. Topesi Bambote Ming Nabaoyo va se connecter na YouTube. Topesi Flore Eliane Double, bonjour à toi. William Fila, bonjour. Bonjour à Chrissy Bouka. Bonjour à Christian Otouli. Bonjour Ulrich SB. Daniel Mabonza, bonjour à toi. Bonjour à Olsen Ngomo, vraiment. Bonjour Roamik Roamik Ololo. Et Goré Matimouna, Robert Célestin Mombouli, l'homme du Canada. Bonjour Pierre Lowe. Bonjour à toi, chère jolie dame. Christian Otouli, Topesibino Bambote, Boyamba Salam, partout où vous êtes, Topesimbote, à tous ceux qui sont connectés, dont je ne vois pas les noms, de temps en temps, il suffit de me faire un petit coucou comme ça. J'aurai moi aussi le plaisir de vous rendre l'appareil. Jojo Malonga, bonjour. Patrick Munzeo, bonjour. Richard Louyala, bonjour à toi aussi. Alors, chers amis, Tokomiko Banda la matinale, la biso, comme toujours, Tokene na côté à Petro, Tota la Mbongo, la biso, Ezo Kotaka et Belé, la matinale. Alors, le prix du pétrole est à 113,53 dollars. On n'en dira pas plus aujourd'hui. Vous savez très bien que l'argent ne fait que rentrer. Voilà. Donc, il y a eu un peu rectificatif. Normalement, le budget a été élaboré sur un baril entre 25 et 30 dollars. Mais voyez, mi, ma kamnabiso, le Congo, tout est confus. Donc, c'est tout à fait normal. Bissopé, to zoakaba chiffre, y a si qui s'y quitte. Donc, baril en gros, basalaka en gros, au-dessus des 50 dollars, et en gros, les lots en caracole au-dessus des 100 dollars. Donc, to doublé. Mbongo, y a budget, la biso, to doublé en gros. Donc, mbongo, y a au kotaka. Akele Ine Kelison Kumba Djele, bonjour. Barre de Fer Zéou, bonjour. Noël Massamba, bonjour à toi. Jidas Bina Gonga, bonjour aussi les amis. Alors, Baninga, sujet Nabissou Ali Bosso, Toko Solola Lelo, Boyebi, le premier ministre à Outakina Congo, il est passé par ici en France parce qu'il était de transit. Azo Keneken à Washington, et pas hier à Lingi a assisté à l'Assemblée générale, il y a FMI et à Banque mondiale. Motuna na biso ezali kaka moko tozo loba à papa premier ministre. Est-ce que wana yo zali pe ministre de l'économie et des finances? Est-ce que le premier ministre de la République est le ministre de l'économie et des finances ou le ministre du budget? Akeko salani ni kuna. Na kata délégation na yepe tomoni n'est pas accompagné du ministre de l'économie, du ministre des finances. Amemi moi ba ndeko na yo ba salaka wana ba 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 na ye asalaka na bango akamati bango ati bango na avion. Est-ce que aujourd'hui, parce que nous avons eu le versement de la première tranche, il y a FMI, après ça, qui aide, et il y a merci de vis-à-vis, ou bien à quelqu'un assister à l'Assemblée générale, il y a FMI, la Banque mondiale. Mais le premier ministre n'a pas que ça à faire. Le premier ministre a beaucoup de travail qu'il attend au Congo. Il faut laisser ce travail au ministre de l'économie et de finances faire le job. C'est à eux de faire le travail. On est ministre du budget, on est ministre de l'économie et des finances. C'est à lui de faire ce travail. Lorsqu'on s'accapare de tout, à la fin, on devient ridicule. C'est tout à fait normal aujourd'hui au sein du gouvernement. Il y a cette cacophonie. Vous êtes rendu compte. On se demande si le gouvernement de la République a un porte-parole. Monsieur Thierry Mangana est aux abonnés absents. Là où la population s'inquiète, là où tout le monde se pose la question sur la vente, la cessation, auprès de Rwandais. Le porte-parole du gouvernement est aux abonnés absents. Tout le monde a un Facebook, comme service, un proverbe, tout ça, là, on ne comprend absolument rien. Mais c'est maintenant que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, doit sortir, venir apporter des éclaircissements, puisque, bisotto, vous comprenez, il y a une inquiétude qui s'installe dans la population.
Au lieu que le porte-parole du gouvernement vienne faire le job, mais qui est maintenant le porte? Le premier ministre Koné Makoso, il est premier ministre et en même temps porte-parole du gouvernement. C'est lui qu'on a vu dans les médias. C'est lui qu'on a vu chez Bois Bouvier. C'est lui qu'on a vu sur Africa 24. Donc, tant qu'on comprend de tes rôles, il y a Thierry Mungala et Zaline. Mais lorsqu'il s'agit de Sassou Nguesso, lorsqu'il s'agit de Kiki, vous voyez Thierry Mungala, Ayaka, Kosala, Asala Kabou, porte-parole. On se pose bien la question, si est le porte-parole de Denis Christophe Sassou Nguesso, où est le porte-parole du gouvernement? Bon, on est à mesure de dire si Thierry Mungala n'a pas un plan caché, s'il ne joue pas contre le gouvernement de Koné Makoso, ou son souhait, il veut à tout prix l'échec du gouvernement Makoso. Mais comme fait le gouvernement Makoso, entouré des amateurs, Makoso n'a pas fait de mingi. Alors, il laisse passer ces fautes-là. Aujourd'hui, le gouvernement Makoso est empêtré parce que, effectivement, il y a un porte-parole du gouvernement qui ne fait pas son job. Normalement, Namakambo Oyo Eleki Yamabele Nabissou, le lendemain, Thierry Mungala allait multiplier les interviews pour venir expliquer, apaiser les populations. Puisque jusqu'à présent, personne a en possession le contenu des accords signés entre le Rwanda et le Congo. Donc les gens spéculent. Bah, tu vas spéculer que Kakamakamoto Moni. Alors, on devait avoir, premièrement, le porte-parole du gouvernement qui devait s'exprimer et le ministre, lui, de l'agriculture concernant le volet agriculture. Et d'ailleurs, on ne comprend pas. Mais c'est ça, le flou qu'il y a dans ce contrat. Lors de la signature de ce contrat, le volet agricole, on n'a pas vu le ministre de l'Agriculture aller apposer sa signature. Tomoni Angote, Tomoni Payacha qui visate. On n'a pas vu le ministre de l'Agriculture n'a pas été sollicité pour participer. Donc, il y a un bordel. En tout cas, ce que nous constatons, il y a un bordel au sein du gouvernement Koné Makoso. On se pose la question, restauration de l'autorité de l'État, si aujourd'hui, Koné Makoso a les coudées franches de conduire l'action du gouvernement, où il est dépassé, où il n'arrive plus, parce que lui-même, il était absent, on l'a pas vu, il est le ministre de l'agriculture était absent, on ne voit pas Thierry Mungala, mais enfin, quand même, mais c'est tout à fait normal. Monsieur le Premier ministre, si vous voulez avoir le poids, lorsque vous êtes entouré, je suis pas contre avec vos conseillers que vous avez nommés, hein, mais lorsque vous avez des poids plumes, hein, ou bien des poids légers, Otinakati est parmi tes conseillers. Mais quel est ce conseiller-là qui peut interpeller le ministre de la Communication? Quel est ce conseiller que tu as en ton sein, parmi tes conseillers, peut aller interpeller les conseillers de Thierry Mungala pour lui dire, ah ben écoutez, là je pense que non, il faut prendre prendre la part, c'est-à-dire que c'est à vous de reprendre maintenant le flambeau, aller dans les médias, expliquer pourquoi nous avons cédé, concédé ou vendu nos terres aux Rwandais. Alors, vous partez aujourd'hui dans les bus, la population est inquiète, la population se pose beaucoup de questions, mais aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse. Le porte-parole du gouvernement doit jouer son rôle. Ce qu'on demande au porte-parole du gouvernement, au moment qui même, lorsqu'on a parlé de la flambée des prix, lorsqu'on a parlé de la cellule de veille, voyons qui porte parole en bas, le bac, rien. Lorsqu'on a parlé, je vous ai même dit, lorsqu'on a parlé de la cellule de crise, pendant qu'il y avait une situation de nos étudiants en Ukraine, c'était lui le rapporteur, Thierry Mungala. Vous voyez même, lorsqu'il y a le conseil des ministres, pour avoir accès au compte rendu du conseil des ministres, mais voilà, c'est parce que Sassou Nguesso, il est là. Si Sassou Nguesso n'était pas là, il faut attendre au moins 24 heures, 48 heures, parfois 72 heures pour avoir accès au compte rendu. Alors, mon salaire, ça, il est payé. S'il est fatigué, Thierry Mungala, il n'a qu'à dégager. Ou soit il est entré, il a un calendrier caché. Ce qui va y avoir un nani. Bako, on piété action au gouvernement. T'as le vite, il connaît ma conso, travaille bien. Pour moi, il ne travaille pas bien. Ils sont nuls, incompétents. Ça, je le dis. Mais incompétents, ça va y avoir un salakana. Personne ne met en lumière pour expliquer la population. La population abandonnée à elle-même, la population n'a aucune information, la population est livrée à des spéculations, ne soyez pas surpris, bon, on va crier que bateau là, ils sont aigris, ils sont jaloux, ils sont haineux, non, on n'a pas d'informations, vous ne nous donnez pas de ces informations. Alors, on a un porte-parole du gouvernement qui doit faire le job, le porte-parole du gouvernement ne fait pas le job,
Ça, tout le monde est clair. Vous avez vu cette situation, comment on l'appelle, Monsieur Kagame est venu, il est rentré. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Thierry Moungala, même pas une prise de parole, même pas interview. Et ça là, qu'elle est même là-bas, RFI, pas à Salaka Gangakawana. Mais si c'est pour parler de la magnanimité du président de la République à Yémi, pendant que vous trouvez les gros mots là, ça, il sait le dire. Mais là, maintenant, pour assurer, apaiser la population qui est inquiète, qui ne comprend rien, parce que tout le monde spécule sur la situation rwandaise. Oh, bah, Rwandais, bah, mais les Rwandais, ils font peur. Regardez ce qu'ils ont fait en RDC. Alors, c'est tout à fait normal. La crainte, la peur, elle est légitime. Mais nous voulons que ceux qui sont aux commandes, ils sont payés à des coûts de milliards. C'est pas à nous de faire leur job. Bisotem Toto Sakamoussala na bango. Bango Bayaka, Bayako expliquer Ponanini, Bateki Mabele na biso. Makambo Bazo Salaka, c'est pas à nous. Thierry Moungala doit prendre ses responsabilités. S'il n'a pas un calendrier caché, il faudrait qu'il se lève, il vienne devant les médias expliquer. Nous avons besoin de lui-même sur Ziana TV, puisque le Premier ministre a peur de venir sur Ziana TV, mais le porte-parole peut venir. Donc, Pesato Tounen Makambo a éclairé opinion nationale comme internationale. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que vous voyez, le pauvre, comment on l'appelle, Premier ministre, il est obligé, lui, de jouer les porte-parole. Après, il se met les pinceaux, il ne sait même plus, puisque ce n'est pas un technicien. Qu'est-ce qu'il connaît, lui, sur l'agriculture? Qu'est-ce qu'il connaît sur le contrat qui a été signé? Bah, il sait peut-être à taille, comme mon côté. Mais alors, normalement, Makamboya, gouvernement, les Salakango, on donne des éléments au porte-parole du gouvernement. Alors, si maintenant le porte-parole du gouvernement n'a pas d'éléments, ça devient très grave. Nous allons dire que non, nous sommes dirigés et vraiment, c'est la jungle au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc ça, c'est il faut mettre les choses au clair. Toko Zelaka, le ministre de la Communication, Thierry Moungala, de venir devant les médias éclairer la population, puisque la population est inquiète. Balinga, Toko Solo là, Makaboya, investiture, Bali, c'est le Parti Congolais du Travail. Le Parti Congolais du Travail. La population était surprise hein, de voir qu'il y avait 1000 candidats. 1000 candidats et 1000 candidatures. Qu'il fallait maintenant choisir au moins 90 qui devaient postuler. Et bien, encore que ce qui va choisir, c'est sûr que tu vas gagner. Et ils étaient surpris de voir pourquoi il y en avait 1000 candidatures. Mais c'est tout à fait simple. Aujourd'hui, quel est l'avenir de la jeunesse au Congo? La jeunesse aujourd'hui au Congo, n'abord pas qu'elle l'école, l'école que tu es, comment on l'appelle, Anatole Colinet Marcosso a échoué lamentablement au ministère de l'éducation et de l'alphabétisation. Il a échoué lamentablement. Ces enfants qui sortent de là, quand même, les babimana bak nabango, soit abimina formation, basali naba issu t. Même soit qu'elle a université, il n'y a pas de débouché. Alors, ces enfants sont abandonnés à eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire, soit c'est le chômage, ou ils subissent. Mais ces enfants-là sont aussi regardants, ils regardent autour d'eux. Alors, aujourd'hui, ils ont compris, pour réussir dans la vie, pour avoir une ascension sociale, soit il faut qu'on a le Parti Congolais du Travail, le parti qui est au pouvoir, à partir de là, au Congo, je vois moi, pose. Il n'y a pas que d'être... De toutes les façons, pour être ministre au Congo-Brazzaville, il faut être membre du Parti Congolais du Travail. Pour être directeur général quelque part, il faut être membre du comité central. Pour être maire, il faut être membre du comité central. Pour être préfet, il faut être membre du comité central. Pour être délégué, même quand on a la commune, il faut être membre du comité central. Mais ils ne sont pas bêtes. Ils ont compris, il y a l'argent. Là où on parle, les ministres gagnent des dizaines de millions, alors que la population, comme on n'a pas si, mais ça les alités. Ben, on peut baser, ne soyez pas surpris, lorsque eux-mêmes, ils disent que non, le Parti Congolais du Travail, c'est le plus grand parti du Congo, mais l'Okuta, les gens qui vont là-bas, eh ben, quand tu vas partir, il n'y a pas à déjanter, parce que, ben, les partis, il y en a. Ils sont passés de 90 000 adhérents. Aujourd'hui, ils sont passés à 140 adhérents, il est là qu'on dit le Parti Congolais du Travail a fait pour ce Congo. Le Parti Congolais du Travail a échoué. Mais vous voyez bien que la courbe ne fait qu'augmenter parce qu'il y a eu 50 000 jeunes qui sont venus. Parce qu'ils veulent aussi partager le gâteau. Ils savent, pour avoir la place au soleil, il faut faire partie du Parti Congolais du Travail. Pour avoir du travail, il faut faire partie du Parti Congolais du Travail. Si ce n'est que leur secte bizarre, la franc-maçonnerie, ouais, non, bah, ça, là, embrouiller que banangana. Donc, la paix va jeune, va comprendre que non, il faut que Nekuna. Et ce procès se sont retrouvés avec 1000 candidatures. Et là, comme ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde, ça crée des problèmes. Et hormis ça, mais il faut comprendre quand même. Aujourd'hui, ce que nous vivons dans notre pays, à Makamomoko, il y a Sony. Vous avez vu la concertation, bah, ça, là, qui nous one.
à la sortie, il y a qui pour éclairer la gouvernance électorale, éclairer Makambo, comment faut-il préparer les élections. Mais vous avez vu, à la sortie de cette messe, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Investiture à Parti Congolais du Travail. Vous avez vu partout là où le Parti Congolais du Travail, l'UPADS, le parti est majoritaire, il y a l'opposition. Parce que je vous signale que, comment on l'appelle, Tshatshi Mabiala, c'est le chef de l'opposition, c'est lui qui a plus de députés dans l'Assemblée nationale. Partout, Oyo UPADS, Atiba candidat Naye, dans le Grand Niari, le Parti Congolais du Travail est absent. Tout le monde comprend. Drôle de coïncidence. Est-ce que Wana Ezali Lissoussou est opposition Oyo Bengaka? Mais la démocratie ne peut pas fonctionner comme ça. La démocratie, ce n'est pas les attentes entre le parti au pouvoir et l'opposition. En journée, il y a un gang qui est là, alors que, pourquoi, aujourd'hui, comment on peut comprendre un parti qui est au pouvoir, il y a l'opposition qui est là, et là où l'opposition se positionne, le parti au pouvoir dit qu'il ne va pas se positionner pour laisser la place à l'opposition, pour que l'opposition ait gagné la place. Parce qu'ils ont choisi leur opposition. Pour que l'UPADS puisse avoir quelques députés, député Wana, représentant au l'Assemblée nationale, pour que le bâti, il existe une démocratie. Mais non, les dés sont pipés. Ça, ce n'est plus une démocratie. Ça, c'est un arrangement. Et Tshatshi Mabiala, il est resté chef de l'opposition pendant 5 ans. À Salini, il n'a qu'à l'opposition. Bon, il y a encore opposition, c'est le même mouvement. Bon, ça, l'opposition. Et ça, la réunion de réflexion pour apporter une alternative au parti qu'on a du travail. Rien. Il gagnait 100 millions par an. 100 millions par an. C'est le budget du chef de l'opposition. Il a rendu ministre, ce monsieur-là, à Salinine et leur comment côté. Alors, aujourd'hui encore, le Parti Congolais du Travail reprend les mêmes méthodes, mais là encore, en assainissant les choses, hein. Là, vraiment, ils se sont retirés à décès au parti de l'UPADS. Bango va se présenter là, Bango. Bango va député pour se présenter à l'Assemblée nationale. Bon, mais ça, ce n'est plus la démocratie. Ce n'est pas comme ça que vous allez encourager la démocratie dans notre pays, chers amis. Alors, les amis, vous étiez sur la matinale. La matinale, c'est du lundi au vendredi, 7h heure de Paris, 6h heure de Brazzaville. Baninga, Tokutani, Mokola Lobby. Les amis, n'ayez pas peur. Que Dieu bénisse le Congo. Allez, ciao, générique. Lorsque nous mettons, on va dire, une marge comme ça, c'est pour nous permettre justement tôt ou tard de retrouver la victime et que la victime vienne purger sa peine. La cuisine d'Eli Cooklog, raffinée, savoureuse, goûteuse, sans oublier la ponctualité. Eli Cook a été à la hauteur pour mon mariage. Je vous recommande Eli Cook pour vos anniversaires, pour vos mariages, pour le baptême. Faites confiance à Eli Cook.